Un des signes que l'islam est faux est le fait que l'islam ne dispose pas de l'équivalent d'un pape ou de concile œcuménique. L'islam ne dispose pas d'un arbitre qui puisse trancher les débats théologiques sur la foi et sur la morale, alors que dans l'Église catholique, cela existe. D'ailleurs, l'Église catholique est la seule Église au monde, la seule religion au monde, à avoir une instance d'arbitrage, de décision finale, incontestée et incontestable, et qui revendique l'infaillibilité, qui revendique le fait, depuis 2000 ans, de ne pas se tromper, d'être soutenue miraculeusement par Dieu, quand elle précise tel point de morale ou tel point de foi. Dans l'islam, ça a été la fitna, la guerre civile dès le départ, quand les partisans d'Ali ont fait la guerre aux partisans d'Abou Bakr. Et encore maintenant, au-delà de la division entre chiites et sunnites, les musulmans n'ont aucun moyen de savoir ce que pense leur Dieu de manière stable. Ce sont des débats sans fin, des guerres sans fin. Alors comment ça se passe chez les catholiques? Souvent les gens et les médias, les gens extérieurs, ne croient que c'est que le pape, qu'il y aurait une sorte de baguette magique et qui déciderait seul. En réalité, le pape est effectivement l'arbitre, le juge suprême et le chef de toute l'Église, mais depuis le début, il n'a jamais travaillé, décidé seul. À chaque fois qu'il a décidé la promulgation d'un dogme, il a consulté l'Église tout entière. Et l'instance de régulation, de décision aussi très importante, c'est l'équivalent, on va dire, du Sanhédrin qu'il y avait chez les Juifs, qui était la réunion de tous les sages d'Israël. Maintenant, ce Sanhédrin, c'est l'ensemble des évêques du monde entier qui se réunissent en concile, donc une réunion mondiale, un concile œcuménique. Concile, c'est réunion, œcuménique, c'est de œcuméner tout l'univers pour trancher. Alors, les textes sont débattus, ils sont votés. Ça permet de trancher, de préciser à tous les hommes de bonne volonté et à tous les catholiques ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. Par comparaison, les musulmans qui douteraient de ce que je dis pourraient regarder ce qui s'est passé avec les protestants. Les protestants ont varié sur la composition de la Bible. Jusqu'avant 1830, 1850, je crois, ils avaient encore les livres qu'on appelle deutérocanoniques, qui avaient été originellement, dès le départ, écrits en grec, et qui étaient dans la Septante, et dont les catacombes de Rome portent des illustrations, des mentions, que les pères de l'Église ont citées. Eh bien, les protestants les avaient dans leur Bible sans les reconnaître comme canoniques, et à partir de 1830, 1850, ils les ont purement et simplement définitivement supprimés. C'est 7 livres complets et des parties importantes du livre de Daniel et d'Esther. Ils ont aussi varié sur la contraception, du tout au tout. À l'époque de Luther, la contraception a été condamnée très rigoureusement et ensuite elle a été autorisée. Évidemment, les changements les plus impressionnants, c'est sur le sacerdoce des femmes. Ils se sont mis récemment à accepter d'avoir des femmes pasteurs. Et le sommet a été atteint quand ils se sont mis à bénir, y compris des chefs religieux pratiquant et vivant publiquement et officiellement l'homosexualité. Pour donner un petit exemple de la confusion dans laquelle l'islam se trouve, la version officielle veut que Outman ait fait recopier au moins à 4 ou à 6 exemplaires ce qui serait la version définitive du Coran, en essayant de détruire tous les autres. Et ces 4 exemplaires auraient été envoyés aux capitales de l'époque. Il devait y avoir Bagdad, il devait y avoir Médine. En tout cas, donc envoyés à 4 capitales. Ces capitales n'ont jamais été occupées par les non-musulmans, ni mis à sac, ni brûlées, ni envahies. Les musulmans ont toujours été majoritaires. Et malgré ça, les musulmans sont incapables de produire les soi-disant 4 Corans d'Outman. On n'a pas non plus de manuscrits très anciens, complets.
face à ce problème d'absence de Corans d'Outman et de manuscrits anciens, circule la fable du fait que le Coran eût été appris par cœur par les musulmans. Mais ce qui vient contredire cette chose, cet argument, c'est qu'on parle des sept lectures différentes du Coran. Et le fait que l'on parle de sept lectures est bien le fait qu'on lit à partir d'un texte écrit. Je ne dis pas ça pour vexer les musulmans ou les contrarier. Je donne cet argument parce que moi, en tant que catholique, c'est vraiment quelque chose qui me saute aux yeux, qui me paraît un signe très fort de la véracité de la religion catholique. Ça me paraît une preuve très forte de voir qu'aucune autre religion n'a cette instance de régulation, d'arbitrage, et aucune religion se prétend assistée miraculeusement par Dieu quand elle précise la foi et la morale. Et c'est un fait historique que les sacrements, le contenu de la foi n'a pas changé depuis 2000 ans, alors que nous avons changé de civilisation plusieurs fois.